là. On va arriver pour nous entrer dans le développement actualité. Dans une interview Libye Radio Mega, Radio Groupe Tonton Radio, hier mardi 9 juin, gagné Pierre-Hugues Saint-Jean, qui lui-même c'est président association pharmacien haïtien. Libye doit avoir des points établis pour le ministère de Santé publique à la population qui prend une décision là pour régulariser les feuilles dans le pays pendant un pile monde à consommer médicaments naturels. Le directeur de MSPP prend disposition tout bon vrai pour mes ça respecter pharmacien t'es tout profiter des populations là pour prendre précaution avec feuille amoise là qui c'est un plant toxique qui a gagné gros conséquences sur santé monio puisque nous d'elle dans toute l'aria paquet à pile monio a parlé des feuilles amoise ça en côté Pierre Hugues Saint-Jean le dynamico Germina Pierre Louis. Association des pharmacies d'Haïti, nous avons constat que nous avons fait. Le constat que nous faisons, c'est qu'il y a un paquet de groupes qui est formé de pharmaciens, de médecins, de praticiens, de phytothérapeutes. Nous tout à fait erroné que nous avons un remède pour COVID-19 là. Mais nous connaissons que médicaments, il y a des normes à respecter. Donc, dans le cas de ça, nous avons parlé avec MSPP, nous avons demandé pour te prononcer cette problématique là, ce qu'il fait. Donc, ça fait nous un pile plaisir, nous-mêmes, au niveau association. Hein. Donc, c'est l'objectif là, ça. Donc, c'est son première étape et que nous prononcions sur ça. Après, on va venir pour prendre engagement, pour respecter ça, et que nous disons notre cas, par exemple. Quel que soit le monde qui t'a inventé un médicament, un remède, etc. Mais il y a un cheminement pour respecter mon parcours. Il y a des normes. Bien entendu, donc, on sait bien pour formuler une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la DPMMT, qui est direction de la pharmacie du médicament de la médecine traditionnelle. Ils sont direction de MSPP. Donc, direction, ça vient pour gagner pour l'analyser. Garder suivant les données, garder les critères scientifiques de sécurité, d'efficacité, de stabilité, etc. Regarder les critères de qualité pour capable décider, approuver ou bien rejeter demande d'autorisation de mise sur le marché. Ça. Vous connaissez que COVID-19, là, 80 à 85% de monde qui a gagné n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Donc c'était clair, dès le début, on a expliqué ça. Donc 80 à 85% de monde qui a gagné n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Donc, parce que quand il n'y a pas de nécessité en hospitalisation. Donc, si il y a des gens qui nous trouvent dans la situation, quand il n'y a pas de nécessité en hospitalisation, et que qui prennent la caillou et que qui remédient, donc c'est très bien. Donc, maintenant, est-ce que les gens qui prennent par entrée dans la fourchette, 80-85% de gens qui ont besoin d'aller à l'hôpital? Parce que, même en tant que scientifique, on a besoin des évidences. Il faut des évidences scientifiques qui montrent que les gens qui ne pas aller à l'hôpital, effectivement, les liés avec prise de thé. Donc, on qui décide par exemple l'argent armoise là, donc autant médication que lié. Mais malheureusement, armoise, c'est un médicament, c'est une plante de catégorie B, c'est-à-dire une plante toxique que lié. Si on ne par contre qu'ils ont pour utiliser, n'importe qui bagage est capable de briver. Voilà, ça c'est déclaration Pinkavazia président association pharmacien haïtien yo qui c'est Pierre Hugues Saint-Jean-Jean nous t'ai parlé de ça depuis hier dans journal Méga Matin si nous faisons un rappel ministère santé publique à corrélation sous causé médecine traditionnelle ensemble de médicaments là mon appareil à travers plante naturelle yo ministère a qui était sorti un circulaire pour réagir sur ça qui ça dit dans circulaire ça ministère santé publique à corrélation MSPP toujours travaille pour ben j'arrête avec la médecine traditionnelle dans le pays d'Haïti. Dans ce sens, le ministère promet pour le bail une attention spéciale à tout remède au soi, médicaments traditionnels qui tabaille bon résultat pour faire prévention au soi, traiter maladie nouveau COVID-19 là. Mais pour sa fête, MSPP a pas testé tout remède au soi, médicaments traditionnels ça y est, avant pour yota autorisé yo vendre sous marché. C'est un processus qui est capable donc en pile, mais le ministère a fait tout ça qui possible pour le faire processus là aller plus vite pour répondre à un moment spécifique ça ministère a fait tout le monde qui intéressé dans causer remède ou soit médicament traditionnel yo connaît pour qu'aucun monde ou soit entreprise qui a autorisation pour vendre médicament qui est bon pour COVID-19 dans pays d'Haïti dans ce sa population a doué rester veatif devant une série remède ou soit médicament traditionnel quelque monde déjà a fait publicité pour yo, ça n'a pas gagné autorisation pour ça. Comme ça, entreprise et organisation qui t'a souhaité mettre produit ça yo sous marché a, doit rentrer dans le processus ministère, mettre sous pied, pendant y'a bail un dossier technique comme ça doit à 5 échantillons remettre ou soit médicament traditionnel. Yo vle vendre ak format yo pral vendre pour autorité la santé capable analyser le. Ministère Santé publique et population MSPP mandé population pour toujours été
vigilants pendant le promet il a publié toute liste médicaments ou soit remèdes traditionnels qui répondent à exigences ministère a fait et puis qui joignent autorisation pour vendre dans pays. Mon qui pote si a-t-il l'ambassade qui est ça, c'est ministre santé publique à population, docteur Marie Gretawa Clément, si qui est ça qui était sorti dans date 4 juin 2021 concernant médecine traditionnelle à Romanes. Toujours de ce coronavirus, on a regardé dernier bilan avec qui sorti là et puis regardé différents ensemble de personnages publics qui ont même mouru en bas COVID-19. Dernier avial daté 9 juin 2020, l'hypothèse numéro 70, qui s'est dit là-dedans, 124 nouveaux cas confirmés avec deux mouna plus mouru en bas COVID-19 là dans le pays d'Haïti. Ministère de Santé publique informé toute nation net, gagné 124 nouveaux cas qui confirmés avec deux mouna plus qui mouru en bas COVID-19 là dans date 8 juin 2020 dans le pays. Ça qui baille un total 3662 cas confirmés avec 56 monde qui perdit la vie. Ministère de Salé, compatriotes, ça y est, parti qui était nous là. Pendant le soutien force avec quoi, avec famille, amis, et puis tout le monde là, moi, ça y est, touché. Ministère de Santé publique a continué à demander population pour respecter tout principe hygiène et sécurité de l'État déjà bail pour empêcher maladie ça, gagner plus toujours dans le pays. Donc, on principe déjà. Rétez la caille, non, toujours la vie, mais non, évitez de mettre ménagène dans l'aine, avec dans bouche, non, si vous avez un tag, pour nous sortir, toujours songer by tout le monde, toi par distance, et puis toujours mettre masque. Masque là, c'est ça, ne les cache néan. C'est Marie Gretawa Clément qui passe par Rafli en bas avis numéro 70. Gagné Eddy Jackson Alexis, secrétaire d'État pour communication là, dans un tweet li fait, il dit collègue li Emmanuel Cantave qui lui-même c'est secrétaire d'État affaires sociales et puis il dit lui-même c'est secrétaire d'État communication, il dit Emmanuel Cantave quitte nous là hier matin, il t'a souffri avec COVID-19 là, ou bien préciser ça. Avec COVID-19, il est pas mal à l'aise. Vous comprenez? Il faut bien préciser ça. L'étape souffrir avec COVID-19 là, en maintenant au gouvernement là, il dit, Jackson Alexis dit, il a adressé toute sympathie net avec Famisa, avec affaires, ministère affaires sociales et camarades combat, hein, Manoyo, Emmanuel, c'est lui-même justement. Qui fait vrai la poupée pays sans chapeau hier mardi en bas COVID-19 la gain artiste bien connu ça tout monde le calibre nous connait ça déjà li dit non tout li fait moi gain un tonton qui te gain ti la fièvre y a parlé de li là. Yo fait une semaine à prier avec elle, elle commence pas à respirer tout bon, yo réussi à l'hôpital avec elle pendant yo mandé voyer le mi balai li mouri dans machine. Mes amis, continuez mettre masque, l'en absouti et puis lavez mais n'entendez calibre artiste ça, calibre artiste bien connu ça qui lui même fait tout ça. Et on le fait vrai pour payer sa chapeau. Oui, mais toujours dans le même dossier, papa, non, mon papa Patrick Monsignac là, il y a un ministère qui est sa communication qui est un découvert bien bas devant, non, mon ça, devant papa Patrick Monsignac, non, communiqué ou bien non, texte, il a fait sortir, et pas seulement devant, non, mon ça, mais devant tout le monde, mais spécialement devant, et non, mon papa Patrick Monsignac. Terne Monsignac. Papa Patrick Moussiak, nous connaissons déjà, son groupe de tonton chef ici, lycée PDG Radio Télévision Caraïbe, mais papa Terne Moussiak, fait vrai pour payer son chapeau, ministère culture et communication, lui associé, et de Deissa, et lui, justement, Dernier famille Moussiak, ministère culture et communication là dit la prendre avec la peine nouvelle en mot papa et Patrick Moussiak c'est PDG Radio Télévision Caraïbe qui lui-même fait vrai le sous pays sans chapeau Terne Moussiak lui rend dernier souffle dans l'hôpital Ben Ameuse suite avec des symptômes qui liés avec COVID-19 là il était gagné 96 l'année il mouri hier mardi 9 juin 2021 bien, pendant la passe au ciel avec douleur, hein, famille ça, ministère culture et communication dit le présenter, sincère condoléances avec Maxime, Wilner Philippe et Patrick Moussia, qui c'est proche défunt et avec toute équipe, Radio Télévision Caraïbla, RTVC, Patrick Moussia, qui est même nan douleur là, papa Terne Moussia, mourir en bas COVID-19 là.
Voilà, il y a un pilote, personnage, même tout public, qui eux-mêmes, tout, perdit la vie dans COVID-19. Ça, c'est parmi monde que, qui encore, qui a perdu la vie en bas coronavirus dans la société haïtienne. On a toujours été dans le dossier coronavirus à Romanais samedi. Nous parlons là dans le secteur textile, là, côté là. Il y a plusieurs ouvriers là qui eux-mêmes perdit la vie avec causé ça, coronavirus là, non. Parc industriel Codivi dans Caracol. Il y a un presse fini de Saint-Cyr qui confirme les nouvelles là. Il y a un Télémac Pierre qui lui même parlé de ça. On regarde avant avec Télémac Pierre. Pour parler de la plateforme syndicat textilio qui c'est Télémac Pierre confirme.